Cette année, l'objectif de financement de la Fondation de l'Hôtellerie d'Arthabasca est le renouvellement du parc d'endoscope actuel. Ces nouveaux équipements serviront, entre autres, à effectuer des examens de colonoscopie, et ce, afin de mieux diagnostiquer le cancer colorectal. Venez voir. L'examen de colonoscopie se fait évidemment après une préparation intestinale pour bien visualiser tous les replis de la muqueuse pour éventuellement trouver une lésion, des polypes, une tumeur, des maladies inflammatoires, de toutes sortes. L'appareil utilisé, c'est un endoscope flexible, très spécialisé, avec caméra HD qui va zoomer jusqu'à 7 fois l'apparence réelle de l'intestin. L'appareil est très technologique, flexible, beaucoup moins douloureux pour les patients, très performant. La pratique de l'endoscopie, ici à l'Hôtel d'Arthabasca, on fait environ 5000 examens annuellement. C'est un examen aussi qui a deux volets. Il y a un volet diagnostique et un volet de dépistage. Il faut savoir aussi qu'à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca, on a été choisi un des 8 centres de référence en dépistage par le gouvernement il y a de ça environ 3 ans. Donc, pour le volume à cause du dépistage, fait qu'on passe de plus en plus d'examens. Fait qu'on va passer des 5000 à 5800 examens d'ici 2 ans. Donc, le besoin en coloscope va en augmentation parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque scope, après l'examen, va être stérilisé dans des appareils spécifiques. Ça en prend plusieurs parce que ça prend plusieurs minutes pour désinfecter chaque scope. Et on a maintenant une nouvelle génération de scopes qu'on a de façon limitée qu'il va falloir acquérir par la Fondation. Je suis médecin, radiologiste. J'ai eu un cancer colorectal opéré par le docteur Lévesque il y a presque 5 ans. Ayant eu des problèmes d'hémorroïdes depuis plusieurs années et ayant subi les examens radiologiques appropriés, je n'ai pas jugé utile d'aller vers la colonoscopie. Or, cet examen s'est avéré être le seul à permettre de diagnostiquer mon cancer. L'avoir eu plus tôt, j'aurais probablement pu éviter la chimio et la radiothérapie. C'est donc sans aucune hésitation que je vous recommande cet examen lorsqu'il est indiqué. Pour prévenir le cancer dans ma région, je donne